Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour faire un petit témoignage autour de ma méthode Shape Yoga Balance suite à un stage. Du coup, est-ce que simplement tu pourrais nous dire ton prénom et depuis combien de temps tu fais du yoga? Ouais, alors je m'appelle Yolène et puis ça fait à peu près 3-4 mois que je fais du yoga une fois par semaine. Ok. Et du coup, là, Yolène, elle a rejoint mon stage du coup de yoga basé autour de ma méthode Shape Yoga Balance. Qu'est-ce que du coup tu as pu penser du stage, sachant que tu n'avais pas du coup suivi mon enseignement avant, là juste sur les quelques jours, qu'est-ce que tu as pu en penser par rapport à, je sais pas, ce que tu pouvais suivre ou voilà. C'était vraiment bien parce que il y avait beaucoup de bases, c'était assez dense mais vraiment très accessible. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur que ça et qu'il aurait fallu vraiment que je fasse plus de yoga pour réussir. Mais au final, il y a eu beaucoup de cours différents et beaucoup, surtout, de basiques à pouvoir retravailler à la maison. Donc, super ouais. Pour l'apprentissage. Ok. Quand elle parle de basiques, c'est aussi sur le fait qu'il y a pas mal d'exercices qui vont permettre de progresser. C'est-à-dire que du coup, moi, je vais beaucoup vous enseigner autour d'exercices supplémentaires, à part juste les postures, pour que justement, vous puissiez réussir les postures. Et là, au stage, il y avait différents niveaux. C'est vrai que Yolène, elle ne faisait pas du yoga depuis longtemps, mais vu qu'elle avait fait beaucoup de gym avant, ça joue aussi sur certaines bases. D'autres personnes sont beaucoup plus débutantes, certaines plus avancées dans le yoga, certains sont profs ou pas. Et c'est ce que j'essaie d'amener au maximum, c'est que grâce à la méthode que je vous amène, en fonction du niveau, tout le monde peut progresser en fait, et ça c'est important. Souvent vous êtes trop à croire qu'il faut un niveau de ouf pour suivre les cours ou quoi que ce soit, mais pas du tout, que vous soyez vraiment débutant comme plus avancé, tant que vous voulez progresser. Ça c'est important par contre de vouloir progresser, parce que si on veut pas progresser, là pour le coup effectivement vous n'êtes pas trop à mes cours, mais voilà. Et pour terminer, si quelqu'un justement hésitait en se disant ça va être trop dur ou j'ai pas le niveau, qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça? Je pense que c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si tu as envie de travailler, de progresser, de commencer à aller sur les headstands et tout ça, honnêtement c'était hyper accessible, on apprend d'abord à tomber, on apprend à se positionner et à faire bien les choses, et donc en fait il n'y a aucun risque, et surtout il faut pas, même si on a peur, il faut pas se dire qu'on va pas y arriver, et je pense que ta méthode elle est très bien dans ce sens-là, parce que tu sais rassurer les gens et nous apprendre vraiment ces bases solides. Ouais. Ok, oh, c'est cool. Top. Écoute, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous avez toutes les informations sur ma méthode d'enseignement directement dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite.